BFM Business présente Business Quiz avec Audrey Maubert. Bienvenue dans ce Business Quiz, il est 14h et vous savez, à chaque fois, vous avez rendez-vous avec ce premier jeu diffusé simultanément à la télévision, à la radio, sur vos tablettes et vos smartphones. Vous pouvez jouer dès à présent, vous êtes déjà inscrit, vous avez téléchargé l'application BFM Business ou BeTheOne. Vous allez chercher le badge Business Quiz, 1,09€ la manche. Il y a déjà beaucoup d'inscrits et d'ailleurs d'un peu partout, certes dans différentes régions de France, mais on voyage un petit peu avec vous, avec notamment eh bien, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, même jusqu'en Thaïlande, il y a des assidus également aux Pays-Bas. Alors vous allez pouvoir tous tester vos connaissances en économie, également en actualité économique et financière, parce que même en plein cœur du mois d'août, vous avez aussi eh bien, de l'actualité économique à suivre. Vous allez pouvoir vous départager. Les 10 meilleurs, les 10 premiers de cette manche eh bien, remporteront 50€ chacun. Ils vont se partager la fameuse cagnotte de 500€. 7 questions, des niveaux variables hein, de difficulté. Et puis dans un instant, dans quelques minutes, vers 14h15, on repartira sur une seconde manche avec donc une seconde possibilité encore de se partager une cagnotte avant un prochain rendez-vous. Pause demain, mais ce sera rendez-vous jeudi à 14h encore pour ce Business Quiz. Alors c'est parti pour cette première manche. Première question, bien sûr, de quelle société Carlos Ghosn est-il le PDG? S'agit-il de PSA, de Renault, de Volkswagen ou bien de Fiat? De quelle société Carlos Ghosn est-il le PDG? PSA, Renault, Volkswagen, Fiat, vous l'aurez compris, il s'agit de constructeurs automobiles. PSA, Renault, Volkswagen ou Fiat, PDG Carlos Ghosn. Vous avez quelques secondes pour répondre. Il s'agit de Renault. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi plus exactement depuis 2009. Carlos Ghosn a grandi au Liban, il a fait des études en France à Polytechnique. Il entre une première fois chez Renault en 96, puis chez Nissan en 99 et puis il parvient à hisser eh bien, cette fameuse alliance au premier rang mondial des constructeurs automobiles en 2017. On n'inclut pas les poids lourds pour ce classement. Et puis aujourd'hui, ben, il est à la tête de 120 000 salariés partout dans le monde. C'est Lionel qui a été le plus rapide. C'est une question un peu facile. Vous avez quand même été 82% à trouver la bonne réponse. 12% pour PSA. Et PSA, il s'agit de Carlos Tavares. La deuxième question de ce Business Quiz désormais. On va pouvoir commencer à vous départager. Quoique, je trouve ça un peu facile. C'est un peu donné quand même. Qui incarne au cinéma le loup de Wall Street? Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Johnny Depp ou bien Michael Douglas? Qui incarne au cinéma le loup de Wall Street? DiCaprio, Washington, Depp ou encore Douglas? Là, je suis sûre, vous êtes déjà nombreux à avoir répondu, à avoir été le plus rapide pour cette question. Eh bien, il s'agissait de Leonardo DiCaprio dans ce film de Martin Scorsese qui dépeint eh bien, le rythme, la vie de cet ancien trader américain qui est Jordan Belfort, qui a été condamné pour fraude et blanchiment. C'est une histoire autobiographique. Le cinéaste y montre la délinquance en col blanc et la drogue qui ravage ce golden boy. Jordan Belfort avait fait fortune dans les années 90 alors qu'il avait à peine 30 ans et ce grâce à des pratiques illégales qui avaient mis un peu la puce à l'oreille, qui avaient mis en alerte le FBI. Et c'est donc tout ce film qui a été, toute son histoire qu'on a retrouvée dans ce film de Martin Scorsese. Benoît Cavaillon a été le plus rapide et en effet, je vous le disais, un peu facile, 93% de bonnes réponses dès à présent pour cette deuxième question du Business Quiz. Une troisième question désormais, on va changer totalement d'univers. Qui a mis en place le RSA, le Revenu de Solidarité Active? Michel Rocard, Marisol Touraine, Martin Hirsch ou Muriel Pénicaud? Qui a mis en place le Revenu de Solidarité Active? Comme à chaque fois, 4 propositions et quelques secondes pour répondre. Michel Rocard, Martin Hirsch, Marisol Touraine ou bien Muriel Pénicaud? Il s'agissait de Martin Hirsch, alors haut commissaire aux solidarités active au sein du gouvernement de François Fillon, ancien président d'Emmaüs France. Il a ainsi remplacé le RMI en 2009, donc on a changé de système en 2009. Et l'objectif de ce nouveau dispositif du RSA, eh bien, c'était d'inciter financièrement les allocataires à reprendre une activité.
Les travailleurs à très bas revenus continuent donc de percevoir un complément de rémunération, le RSA activité. Et quant aux chômeurs en fin de droit, eh bien, ils perçoivent le RSA socle, 550 euros par mois pour une personne seule. Ce sont des chiffres qui valaient encore pour cette année 2018. Fred 0,95 a été le plus rapide. Là, on en a perdu un peu en cours de route, hein, 40% de bonnes réponses seulement pour Martin Hirsch. Vous avez été tenté par Michel Rocard, hein, 58% de réponses pour Michel Rocard. Maintenant, c'est un peu plus tardif, hein, pour la mise en place de ce RSA. Il nous reste quelques questions encore pour vous départager. Vous allez pouvoir vous rattraper sans doute. La quatrième question, quel entraîneur, entrepreneur milliardaire a annoncé vouloir retirer son entreprise de la bourse de New York? Bill Gates, Elon Musk, Solomon Hikes, Joseph McCoy. Ça a été véritablement au cœur de l'actualité ces derniers jours. Hein, l'entrepreneur milliardaire qui a annoncé vouloir retirer son entreprise de la bourse de New York, Gates, Musk, McCoy ou Hikes, eh bien, il s'agit d'Elon Musk, hein, c'est le patron de Tesla. Il a fait cette annonce via un tweet la semaine dernière. On a eu quelques précisions. En fait, il a voulu augmenter le développement économique de sa société Tesla. Ça a joué sur le cours de bourse véritablement. Hein, ça a été au cœur de variations de la bourse à New York. Et puis finalement, il y a eu des précisions encore hier. Là aussi, le titre a réagi, des précisions avec des discussions avec le fonds souverain saoudien, entre autres. Et Elon Musk a précisé qu'il ne voulait pas endetter totalement son entreprise. Eh bien, en contrepartie, il y a eu des plaintes aussi, hein, des plaintes qui ont visé Tesla et Elon Musk pour avoir manipulé les cours justement après cette affaire et après cette idée. Cette initiative d'Elon Musk. Pierre-Alexis a été le plus rapide sur cette quatrième question. 88% de bonnes réponses. Alors, je pense que vous êtes des assidus sans doute, hein, de BFM Business et vous avez bien suivi justement cette histoire et tous les démêlés autour de Tesla ces derniers jours. Il va rester trois questions pour tenter eh bien, de faire ressortir les 10 meilleurs. Soyez à chaque fois le plus rapide. On est dans la culture générale pour cette cinquième question. Dans quel roman Émile Zola décrit-il la chute de la Banque universelle, la fortune des Rougon-Macquart, la curée, le ventre de Paris ou encore l'argent? Vous avez allez, quelques secondes pour réfléchir. La fortune des Rougon-Macquart, la curée, le ventre de Paris ou l'argent? Il s'agit d'un roman d'Émile Zola dans lequel il décrit la chute de la Banque universelle. Il s'agissait de son roman L'Argent. Il s'est inspiré du crack, donc de l'Union Générale, la Banque catholique lyonnaise, pour écrire L'Argent, qu'il présentera en fait comme le roman de la bourse, véritablement, dans ce 18e volume des Rougon-Macquart, paru en 1891. Le romancier naturaliste y décrit la fièvre spéculative autour de la Banque universelle créée par ce personnage d'Aristide Saccard. Il aura eu une ascension rapide et puis il se voit finalement contraint eh bien, de racheter ses propres titres pour soutenir le cours de ses actions jusqu'à sa chute. Et c'est la morale de cet ouvrage. Jérôme a été le plus rapide. Jérôme est un habitué, on le retrouve régulièrement dans ses parties de Business Quiz. Vous avez été 49% quand même eh bien, à avoir cette bonne réponse, à faire référence au roman d'Émile Zola qui est L'Argent. Alors il va falloir vous départager sur les deux dernières questions. C'est là où il va falloir bien sûr faire la différence. Il nous reste quelques minutes sur cette première manche. La sixième question, technique, hein, précise. Quelle est la part des emplois publics sur le total des emplois? 27%, 30%, 19%, 90%, 10,80% ou 8,90%. C'est technique. Quelle est la part des emplois publics sur le total des emplois? 27, 30, 19, 90, 10, 80 ou 8, 90? Eh bien, 19,90% au 1er janvier 2016. Hein, pour faire une référence précise aux chiffres, les trois fonctions publiques territoriales d'État et hospitalières employées près de 5,5 millions de personnes. Le taux d'emploi public est donc de 19,9%. Il inclut les fonctionnaires, les contractuels et les personnes relevant d'autres statuts. La France est le pays en Europe qui compte le plus d'agents de la fonction publique. Eclipsia a été la plus rapide sur cette sixième question. Vous avez été 50%. Une personne sur deux, c'est quand même pas mal, hein, 50% à avoir la bonne réponse de cette part des emplois publics sur le total des emplois, 27%. Vous imaginez eh bien, que c'était davantage. Alors maintenant, on va faire la différence. Soyez rapide, soyez
précis exactement pour cette septième et dernière question de cette première manche et de tenter de vous partager une cagnotte de 500 € hein, d'ores et déjà aujourd'hui. Question 7, quel nom porte la sonde lancée par la NASA partie s'aventurer dans l'atmosphère du Soleil? Wayne, Kent, Parker ou Stark? Wayne, Kent, Parker, Stark, quel nom porte la sonde lancée par la NASA partie s'aventurer dans l'atmosphère du Soleil? Quelques secondes là aussi, il s'agit d'une question d'actualité. Si vous avez été à l'écoute, eh bien, il s'agit de Parker. C'est le nom de cette sonde lancée par la NASA. Elle a été lancée d'ailleurs ce dimanche précisément. C'était prévu samedi, ça a été décalé à dimanche. Une sonde qui pèse 685 kg pour être précise. Parker Solar Probe. Pour son nom complet, elle permettra d'étudier les particules envoyées par le Soleil et qui perturbent les champs électriques de la Terre. Et puis c'est quasiment la première fois en fait que ça s'approche aussi près du Soleil, hein, véritablement dans l'atmosphère du Soleil. Et donc c'est une prouesse qui a été réalisée ce dimanche par la NASA. Bon, ce sera à suivre hein, pour les résultats et pour rien que le trajet déjà. C'est Quentin qui a été le plus rapide sur cette septième et dernière question. Et vous avez suivi l'actualité, c'est sûr. 49% de bonnes réponses pour cette sonde Parker. Vous avez été allé 25% à tenter Stark, 16% Kent, peut-être une référence à Superman. Et puis 10% pour Wayne pour cette septième question. Vous avez été bon quand même, hein, les taux de réponse sont quand même assez impressionnants. Alors, il va falloir pour autant tenter de vous départager, de trouver eh bien, les 10 meilleurs, les 10 premiers qui vont se partager cette fameuse cagnotte. Puis les autres, eh bien, ils tenteront leur chance dans quelques instants. On ne désespère pas. Alors, il y a dans les 10 premiers, eh bien, Nen, Jérôme, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui a figuré parmi les plus rapides, Lionel, Phil Collins, Vincent, Perceval, Alexandre, Clémence, Inès et Thomas. Certains ont été bien inspirés, hein, justement, de leur côté, de leur pseudonyme. Donc, dans tous les cas, ces 10 premiers joueurs, ces 10 meilleurs joueurs vont se partager cette fameuse cagnotte de 500 €. 50 € chacun, c'est déjà pas mal pour commencer ces premières minutes et bien passer ensemble. Vous allez pouvoir retenter votre chance dans quelques secondes, quelques minutes, en vous inscrivant peut-être, pas louper le coche pour peut-être eh bien, doubler votre gain, gagner 100 € à la fin et puis pour les autres, essayer de ravir la première place, du moins de grappiller une place dans ces 10 premiers. Vous avez encore la possibilité pour ceux qui nous rejoignent eh bien, d'aller télécharger l'application BFM Business ou Be The One. Vous allez chercher le badge Business Quiz, dans tous les cas pour chacun d'entre vous. 1,09 € la manche. On y revient dans un instant, on se concentre. Allez, dans quelques secondes, on se retrouve pour la seconde manche de Business Quiz. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie dans 2 minutes. 1,09 € la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com. BFM Business et la CNCGP vous donnent rendez-vous au sommet BFM Patrimoine avec Cédric Decoeur et Guillaume Sommerer. On vous propose de participer à cet événement unique et exclusif au cœur de l'écosystème du patrimoine. Alors que vous soyez une société de gestion ou de gestion immobilière ou bien encore une banque, un cabinet d'avocats, un assureur, une plateforme d'épargne en ligne ou de private equity, on vous donne rendez-vous le 6 décembre prochain. Nous aurons le plaisir de vous retrouver avec toutes les équipes de BFM Business au cœur du Conseil économique, social et environnemental. Et si vous voulez participer à cette journée ou au dispositif antenne qui sera consacré, eh bien le plus simple pour nous joindre, c'est de vous connecter et de vous inscrire sur notre site internet bfmbusiness.com. Le sommet BFM Patrimoine, jeudi 6 décembre au 16e et toute la journée sur BFM Business. À tout moment, restez connecté à l'économie. Téléchargez l'application BFM Business et retrouvez tout BFM Business en mobilité. Le direct radio et TV ou tous vos rendez-vous gratuitement en replay. Soyez alertés des dernières actus éco ou naviguez dans les dossiers de l'éco thème par thème. Immobilier, emploi, tech, entreprise, bourse. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière. Tout l'été sur BFM Business, Xavier Fontanet vous donne des cours particuliers en stratégie d'entreprise. Profitez de l'expérience de l'ancien président d'Essilor et administrateur de grands groupes français et internationaux pour comprendre l'économie et l'entreprise. Part de marché, finance, concurrence, BFM Stratégie vous donne les clés de la réussite. Réagissez ou posez vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Stratégie.
BFM Stratégie, présenté par Frédéric Simotel avec Xavier Fontanet, du lundi au vendredi à 9h et 13h sur BFM Business. BFM Business présente Business Quiz avec Audrey Maubert. Et une seconde manche qui débute dans ce Business Quiz, hein, vous savez, votre rendez-vous tous les jours à 14h du lundi au vendredi. Bon, il y aura une petite exception demain pour ce mercredi 15 août, mais vous retrouverez dès jeudi Justine Vassogne à 14h pour aller de nouvelles possibilités de vous partager cette cagnotte de 500 euros à chaque fois. Dans chaque manche, il y a une cagnotte de 500 euros à se partager. Les 10 meilleurs ont une chance justement de gagner à chaque fois 50 euros. Peut-être certains ont déjà gagné 50 euros il y a quelques secondes avec nous. Encore une possibilité pour eux, toujours, et les autres, de récolter 50 euros dans quelques instants. À l'issue des 7 questions, on va monter en intensité, en niveau de difficulté bien sûr. Actualité économique, actualité financière, culture générale autour de l'économie, vous avez la possibilité de tester l'ensemble de vos connaissances sur ces 7 questions. Vous jouez d'un peu partout en France, mais également à l'étranger, en Europe et pas seulement, jusqu'en Thaïlande aujourd'hui. Alors on salue l'ensemble des joueurs et c'est parti pour cette seconde manche du Business Quiz. Première question, quels animaux français pourraient ne pas être acheminés en Iran du fait des sanctions américaines ? Des vaches, des moutons, des poules ou des chiens ? Quels animaux français pourraient ne pas être acheminés en Iran du fait des sanctions américaines ? Des sanctions américaines pesant sur l'Iran, des vaches, des moutons, des poules, des chiens. Vous le savez, comme d'habitude, vous avez quelques secondes pour répondre. Eh bien, il s'agit de vaches. 10 000 à 20 000 bovins devraient être convoyés à un abattoir près de Téhéran. Ça devait se faire justement pour remonter, dit-on, une filière bovine de qualité dans le pays. Mais Donald Trump a prévenu que quiconque ferait des affaires avec l'Iran ne ferait pas d'affaires avec les États-Unis. Eh bien, de ce fait, ces vaches normandes restent bloquées en France. Il y a eu un nouveau train de sanctions pesant sur l'Iran du fait de la sortie, de la dénonciation de l'accord nucléaire de la part de Washington. Donc il y a eu des sanctions instaurées au 6 août. Il y aura un nouveau train de sanctions, une nouvelle salve de sanctions à partir du 6 novembre. Cette fois, ça pèsera sur le secteur pétrolier et le secteur gazier. Marie a été la plus rapide pour cette première question d'actualité. 54% de bonnes réponses, c'est pas mal pour débuter cette seconde manche du Business Quiz. Une deuxième question. Qui a énoncé la loi de concentration du capital ? Est-ce Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx ou John Stuart Mill ? Qui a énoncé la loi de concentration du capital ? On est dans les pensées économiques, on est dans la théorie économique. La loi de concentration du capital, Smith, Ricardo, Stuart Mill ou Karl Marx, il s'agissait de Karl Marx. Il explique par cette loi que le nombre de propriétaires du capital décroît alors que celui des prolétaires augmente et que la production et la consommation connaissent un déséquilibre grandissant. Or, ceci est à l'origine de crises économiques majeures. Selon sa théorie, la loi de concentration du capital va donc, selon Marx, provoquer l'avènement du collectivisme. Les crises engendrées par cette concentration déboucheront sur une catastrophe qui elle-même permettra la victoire des prolétaires. Voilà pour le concept. En gros, Marie encore la plus rapide, 59% de bonnes réponses. Les théories de Karl Marx n'ont donc plus aucun secret pour vous à l'issue de cette deuxième question. Alors il va falloir tenter de vous départager désormais. Ça va sans doute se compliquer. On va le voir déjà dès cette troisième question. Qu'avait mis en place l'ex-URSS pour une coopération économique avec ses pays alliés ? L'ECO, la CEE, le COMECON, l'ALENA. L'ECO, la CEE, le COMECON ou l'ALENA, une mise en place par l'ex-URSS pour une coopération économique avec ses pays alliés. ECO, CEE, ALENA, COMECON, c'était la bonne réponse, c'est l'acronyme anglais. Conseil d'aide économique mutuelle en français, c'était en 1949. L'Union soviétique voulait alors contrecarrer ce fameux plan Marshall en améliorant la planification des économies et la spécialisation des
des industries nationales et de ces pays satellites, à l'époque pays alliés, mais on parlait de pays satellites. Des plans d'équipement dans les secteurs des transports et de l'énergie voient alors le jour, mais jamais le Comecon ne comprendra d'accord monétaire ou encore commercial de manière générale. Jérôme est un habitué, il a été le plus rapide, 67% de bonnes réponses, vous m'impressionnez. Franchement, j'avais un doute moi sur la réponse, si j'avais été en capacité bien de répondre, mais vous avez été 67% à trouver la bonne réponse à cette troisième question. Allez, quelques questions encore pour faire la différence. Et maintenant, une quatrième question. Quel produit d'épargne fête en cette année 2018 son 200e anniversaire? L'assurance vie, le livret A, le plan épargne logement ou encore le livret jeune? Un produit épargne qui fête cette année son 200e anniversaire. Assurance vie, livret A, le plan épargne logement, le livret jeune. Il s'agit du livret A. On parle souvent du livret A comme le produit épargne chouchou des Français. Né donc en 1818 avec la création de la caisse d'épargne en décembre de cette même année, seuls 352 livrets avaient été ouverts. Dès 2010, 30% de la population en possède et aujourd'hui, il reste le produit d'épargne favori des Français, je vous le disais. Plus de 75% d'entre nous y avaient de l'argent placé en 2015 selon l'INSEE. Seb a été le plus rapide, vous avez été 76% à trouver la bonne réponse. Alors donc, ça a été très très facile pour vous, 12% pour l'assurance vie. On en parle beaucoup de l'assurance vie ces derniers temps avec ce regain d'assurance vie. Et dans tous les cas, le livret A eh bien, bat l'ensemble à plate couture. Ça reste le produit phare, le produit préféré des Français, le produit d'épargne préféré des Français. Cinquième question, qui a fondé l'école néoclassique? Est-ce Léon Valras, Joseph Schumpeter, Max Weber ou encore John Stuart Mill? Vous avez quelques secondes pour choisir parmi ces quatre propositions. Encore une fois, qui a fondé l'école néoclassique? Léon Valras, Joseph Schumpeter, Max Weber ou encore John Stuart Mill? On est encore là, véritablement dans la culture générale en matière d'économie. Les principes, les théories, on est vraiment plongé dedans. Il s'agissait de Léon Valras. C'est lui qui a fondé l'école néoclassique, un Français, professeur d'économie en Suisse. Et il publie en 1874 « Éléments de politique économique pure ». Il y détaille notamment la détermination des prix qui repose sur la somme de travail que nécessite un produit, sur l'utilité de ce qui est à vendre et sur la rareté de ce produit. Guillaume a été le plus rapide et on voit que Guillaume a bien choisi, bien travaillé sa photo de profil. Léon Valras, eh bien vous avez été 45% à trouver la bonne réponse. C'est pas mal quand même. Bon, 27% pour Joseph Schumpeter, mais dans tous les cas, vous êtes plutôt bon en ce qui concerne les théories économiques et les pensées économiques pour l'école néoclassique cette fois-ci. Allez, deux questions pour terminer cette seconde manche. La sixième question. Combien d'utilisateurs quotidiens compte Snapchat au deuxième trimestre 2018? 68 millions, 128 millions ou 188 millions, 248 millions aussi. 68, 128, 188 ou 248 millions utilisateurs quotidiens de Snapchat au deuxième trimestre 2018. Il s'agit de 188 millions. Snapchat a récemment publié ces chiffres. Ça a fait partie des récentes publications du côté de Wall Street. Pour la première fois depuis sa création, eh bien Snapchat a perdu des abonnés. C'est ça qu'il fallait retenir dans cette actualité. Entre les deux premiers trimestres 2018, 2 millions de personnes ont délaissé l'application de photos éphémères. C'est ce qu'a annoncé la maison mère Snap. La faute notamment une mise à jour importante qui a déplu à un grand nombre d'utilisateurs. Alors donc ça s'est légèrement érodé du côté des utilisateurs. Ça reste toutefois à 188 millions. Seb a été le plus rapide. Vous avez été 34% à trouver la bonne réponse. Alors là, oui, c'était un ordre de grandeur. C'était peut-être un peu plus difficile pour retrouver justement cette bonne réponse. Alors il y aura la septième et dernière question eh bien, pour faire la différence. On est monté en niveau de difficulté pour cette septième question. Qui a mis au point la théorie du jeu? Est-ce John Mattel, John Maynard Keynes, Jean-Baptiste Say ou John Forbes Nash? Est-ce Mattel, Maynard Keynes,
Doucet ou encore Nash qui a mis au point la théorie du jeu. Quelques secondes pour répondre, c'est la dernière question, soyez attentifs, c'est le moment de tout jouer. Hein. Qui a mis au point la théorie du jeu? Eh bien, il s'agissait de John Forbes Nash, justement, mathématicien américain qui, pour cette théorie, a reçu le prix Nobel d'économie. D'ailleurs, c'était en 1994. Il explique comment les consommateurs, les investisseurs et autres acteurs du marché eh bien, opèrent des choix basés sur ce qu'ils croient savoir des options des autres. Chaque individu devient alors un parieur, d'où la théorie du jeu, qui mise sur les choix d'autrui et agit donc de façon tout à fait rationnelle. Cette théorie aussi appelée celle de la décision en interaction. Oui, c'est peut-être moins vendeur, décision en interaction, que théorie du jeu. Dans tous les cas, FFX a été le plus rapide et vous êtes très très bon. Vous avez été 67% à trouver la bonne réponse. Vous avez des habitudes, vous bachotez les livres d'économie, les grands livres des économistes. Vous avez été 67% donc de bonnes réponses. Alors, on va pouvoir justement maintenant faire la différence et trouver les 10 meilleurs joueurs, les 10 premiers joueurs qui vont se partager cette cagnotte, cette fameuse cagnotte de 500 euros pour ce business quiz. Alors, Nadège est arrivée en tête, K7 en deuxième, Vincent, Eclipsia, CDDU 46, Johanna, Zaki, Hortensia une habituée, Polymat et Hélène. Donc, ces 10 premiers joueurs vont se partager eh bien, la cagnotte de 500 euros. Il y en a peut-être certains qui ont déjà gagné 50 euros tout à l'heure. Alors, ils cumulent 100 euros. C'est rentable en une demi-heure hein, pour cette session d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir eh bien, continuer à éplucher. Apparemment, c'est ce que vous faites, les théories des grands économistes. Eh bien, vous allez pouvoir continuer à lire toute l'actualité financière et économique. Car il y aura une pause demain du côté du Business Quiz. On se retrouve précisément jeudi à 14h pour une nouvelle édition. Encore deux manches et ce sera cette fois avec Justine Vassogne. Alors vous allez pouvoir d'ores et déjà eh bien, vous connecter, télécharger l'application BFM Business ou Be The One. Vous allez chercher le badge Business Quiz comme à l'accoutumée, 1,09€ la manche. Comme ça vous avez l'ensemble eh bien, des informations, l'ensemble des outils. Puis on se retrouve très vite pour une nouvelle partie de Business Quiz sur BFM Business en simultané télé-radio. Pour défier la rédaction de BFM Business sur des questions d'économie, téléchargez l'application BFM Business. Inscrivez-vous à Business Quiz pour jouer en direct depuis votre mobile. Prochaine partie, jeudi à 14h. 1,09€ la partie, règlement et modalités de remboursement sur bfmbusiness.com.